Ouais. Allez, vous pouvez les applaudir bien fort. Allez, vous pouvez les applaudir bien fort. Voici le podium. Et vous pouvez applaudir bien fort, voici les champions de France. Alors, je vais demander à des personnes de venir tenir les chevaux de nos futurs médaillés. Et j'ai demandé à nos futurs médaillés de mettre pied à terre, s'il vous plaît, descendre de votre cheval et d'aller en bas des marches du podium. Allez-y. Allez, en bas des marches, s'il vous plaît. Alors, ce seront nos membres du jury, notre délégué technique Thierry Mauroir. Notre chef de piste POR Laurence Denis et chef de piste PTB Tristan Gracian qui vont remettre les récompenses à nos quatre équipes lauréates. Nous partons pour la licorne. Les chevaux sont Justicien, Apollon et Sultan. L'équipe est composée d'Adeline, Camille et Lisa. Ils sont quatrième, les Tagada de la licorne. Équipe au départ de ces championnats de France 2019. Que de rebondissements jusqu'à la remise des prix. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir celles qui vont monter sur les marches, celles et ceux qui vont monter sur les marches. Voici les médaillés. Et je vous l'ai dit, il y a des rebondissements. La preuve, c'est qu'elles sont sans leurs chevaux ce soir, enfin ce soir, cet après-midi, parce qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient troisièmes. Donc voilà, c'était le petit couac. Elles nous viennent du CTE de Biancourt. Les chevaux sont Albin, Mirabel, Quichua et Juliette. On ne les oublie pas. L'équipe est composée de Léa, Léonie, Laurine et Flora. Elles vont porter la médaille de bronze. On peut les applaudir, les très concentrés. Sous les couleurs du Poney Club de Brimborion. Les chevaux sont Bimbo, Galaxy, Ella et Pom Pom. L'équipe est composée de Ella, Davia, Aurélia et Chloé. Ils sont vice-champions de France, la team Brimbo Tacos. Et sur la plus haute marche du podium, nous partons pour les écuries de Romblay. Les chevaux sont Vacarme, Valde, Uvina et Conrad. L'équipe est composée de Claire, Clara, Juliette et Clémentine. Elles sont championnes de France 2019, la team du Romblay.
Et bien sûr, nous allons appeler celui ou celle qui les a entraînés tout au long de l'année. Mesdames et messieurs, applaudissements mérités pour l'arrivée des coachs. Nous sommes sur un championnat de France. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Messieurs, on enlève casquette et chapeau et laissons place maintenant à la Marseillaise. Et vous pouvez les applaudir bien fort, bravo. Alors, je vais demander à nos médaillés de bien vouloir descendre du podium, laisser les plaques, les trophées et tout au coach. Descend du podium, s'il vous plaît, et on rejoint son cheval. Ceux qui étaient troisième, venez avec moi, les filles. L'équipe est très concentrée. Ça fout où la main gauche? 3-4. Allez, piste à main gauche, vous pouvez les applaudir. Vous restez au milieu. Non, on reste au milieu, ceux qui sont sur le podium. On reste au milieu. On reste au milieu. Voilà, vous pouvez les applaudir bien fort. Je vous redonne le classement. Troisième, les très concentrés. Léa, Léonie, Laurine et Flora. Quatrième, les Tagada de la Licorne, Lisa, Camille et Adeline. Applaudir bien fort. Allez, on va se mettre piste à main gauche pour le traditionnel tour d'honneur. Dernière, nos champions de France. Allez, c'est parti. Musique.
Bravo à vous, bravo à la team Brimbo Tacos, Chloé, Aurélien, Daviane et Ella. Et bien sûr à nos champions de France, Claire, Clara, Juliette et Clémentine pour la team du Romblais. Allez, on repasse au trot et on va garder une dernière fois nos champions de France. Et je vais demander à la team Brimbo Tacos de quitter la carrière. Au trot, au trot. Au trot. Comme je vous l'ai dit, ils viennent des écuries du Romblais. L'équipe est composée de Clémentine, Juliette, Clara et Claire. Elles sont championnes de France 2019, très club élite, équipe jeune seigneur et moi, la team du Romblais. Bravo à vous les filles, félicitations. On espère vous retrouver l'année prochaine. En tout cas, on se donne rendez-vous en 2020.